Lundi 26 août s'ouvrait le dernier volet des concertations entre le gouvernement et les organisations syndicales sur le sujet épineux de la réforme des retraites. Jean-Marc Ayrault a d'abord reçu à Matignon Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Si celui-ci a confirmé qu'aucun arbitrage n'était connu, il s'est montré satisfait de cet entretien. Nous sommes rassurés sur un certain nombre de propositions que nous avons faites, c'est-à-dire pas de baisse des pensions, pas de modification des calculs des retraites d'ici 2020, pas d'accélération massive de la durée de cotisation. Nous n'avons pas les arbitrages. Le Premier ministre nous a dit qu'ils allaient dire assez vite, d'ici début septembre, ce qu'il en est. Nous attendons, mais cette séance de travail a été positive parce que la CFDT a pu faire valoir toutes ses revendications. Des revendications qui rejoignent la position de la CGT, notamment sur la nécessité de rééquilibrer le système. Le syndicat demande plus d'équité entre hommes et femmes, la possibilité d'obtenir des trimestres pour les années d'études, mais également l'institution d'un compte pénibilité. Les questions ayant trait à la pénibilité, on sait que les salariés qui sont confrontés à des travaux pénibles vivent moins longtemps que les autres. Et donc là, nous avons souhaité que cette question-là soit prise en compte de manière collective. Thierry Le Pen a néanmoins maintenu son appel à sortir dans la rue le 10 septembre prochain, une manifestation sur laquelle il pourrait être rejoint par la CGPME. J'ai dit en tout cas mon opposition sur une augmentation des cotisations et que je voudrais quand même dire une fois pour toutes que la CGPME ne sera pas non plus à ne pas aller dans les manifestations, voire publiques, voire sur la route si on n'est pas content. Enfin, Pierre Gattaz a jugé l'entretien avec le Premier ministre positif. Il a tenu à rappeler les positions du MEDEF, notamment sur l'allongement de la durée de cotisation et sur l'âge légal de départ à la retraite. Une vraie réforme structurelle des retraites, ce n'est ni par la taxe ni par les cotisations sociales, c'est par deux paramètres fondamentaux qu'ont pratiqué tous les grands pays responsables au monde. Augmenter la durée de cotisation, augmenter l'âge légal. Vous connaissez la proposition du MEDEF depuis l'origine. Augmenter la durée de cotisation de 41 annuités à 43 annuités à l'horizon 2020 et augmenter l'âge des retraites de 62 à 63 ans à l'horizon 2020. Pour l'heure, les arbitrages ne sont toujours pas connus, mais Matignon devrait les rendre publics dans les prochains jours, avant l'examen de la loi à l'Assemblée le 18 septembre prochain.